Salut tout le monde, c'est Largo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la fin du défi de 3 mois. Donc on a réussi à arriver à 3 mois du défi, une vidéo par jour. Donc voilà, donc bravo à moi, bravo à vous. Et d'avoir suivi jusqu'au bout. Et du coup, on continue encore d'ailleurs, encore 3 mois, donc 6 mois, on se projette pour voir jusqu'où on peut aller. Bon, il y a juste une petite pépite dans l'histoire, c'est bon déjà le premier le 14e jour, un truc du genre du premier mois de janvier où ça fonctionnait pas vu que je n'avais pas sorti de vidéo. Mais sinon il y a un autre jour, il y a 3 semaines je crois ou deux, où en fait il y avait un jour où j'ai oublié d'appuyer sur publier, j'avais tout sauvegardé, enregistré, modif, et j'ai pas vu que j'avais pas appuyé sur rendre public. Enfin, sur public, genre sur le statut changé en mode public, je l'avais pas vu. Et du coup, je l'ai vu que le lendemain à 7h du mat, et je l'ai mis le lendemain à 7h du matin. Donc ouais, on peut dire que c'est chou. Mais vu que pour moi, je l'ai déjà mise même avant, quoi. Je l'ai mis avant, j'ai enregistré tout le jour même. Je vais pas la compter comme un échec. Comme ça, en plus, on pourra continuer plus loin. Donc voilà, donc voilà pour ça. Et du coup, je vais vous faire un petit bilan sur ce qui a pu se passer durant ces 2 mois, ces 2 derniers mois, et juste quelques vidéos avant. D'ailleurs, si vous avez remarqué, évidemment, je suis un peu malade actuellement. Je tousse un petit peu. Bon, je vais essayer de me guérir. Et bah, on va bien voir ce que ça donne du coup en se guérissant. Mais du coup, on va commencer pour le récap et pour le bilan et pour l'avenir aussi à la fin. Voilà, qu'est-ce que j'imagine pour la chaîne. Voilà. Donc c'est parti. Alors en premier, on avait juste 2 jours avant la fin du défi 1 mois, où en fait on avait le début du troll fausse armure en Minecraft, qui était en fait juste, j'en parle parce qu'en fait c'est une miniature. J'ai commencé, je me suis rendu compte dans ma tête, un déclic, et puis j'ai voulu même la partager sur le Discord, comme quoi c'était vraiment une vidéo où j'avais fait une belle miniature. J'avais vraiment donné bah, tout ce que je savais faire pour faire une miniature, tout ce que je pouvais essayer de faire pour faire une miniature. Et du coup, ça donnait ça. Voilà, normalement, vous le voyez. Voilà, ici. C'est mieux parce que là, je bouche l'écran, vous ne voyez pas. Voilà. Ensuite, on avait Suis-je l'assassin, qui est aussi une belle miniature. Donc là, bon, je regarde mes notes, vu que j'ai fait des notes pour que ce soit un peu plus organisé. On avait aussi l'overboard Minecraft, donc je le mets aussi là. Donc là, c'est pareil, j'avais mis pas mal de temps à la faire. Et c'était compliqué à la faire quand même aussi. Enfin, compliqué, ça a juste mis du temps. Ensuite, on a eu l'équipe du Bled, donc une vidéo Minecraft cette fois-ci. Avec la Saint-Valentin Fortnite, si j'en ai pas parlé, je crois que j'en ai pas parlé là, il me semble. Sinon, c'est pas grave, voilà. Donc, alors, ensuite, on avait le Bed Wars. Donc c'est en fait c'était un troll de la mec, d'ailleurs c'était le truc d'après. J'avais commencé les trolls de Minecraft, donc j'avais commencé par un troll en fausse armure en diamant. Bon, je l'avais un peu joué, pas se le cacher. Après il y en avait un autre, c'était même pas voulu, juste une partie normale. Et puis j'arrive, en Bed Wars, je tape le mec par derrière et je le démonte. Genre, je casse son lit, je le démonte comme ça, donc c'était un troll improvisé. Du coup, je l'ai mis le titre en troll aussi. Les deux vidéos ont bien marché, donc ça a fait du 25 vues à peu près. Pour moi, c'est par rapport au nombre de vues que j'ai actuellement, par rapport aux vidéos, ça a quand même pas mal marché. Donc, bon, je suis ravi que ça vous plaise. Et du coup, on va continuer là-dessus normalement. Le Frozen Kingdom, s'il a aussi bien marché, donc voilà un exemple. Donc c'est le boule de neige surtout qui a bien marché. Mais sinon, vous l'avez bien suivi tout au long de la série qui s'est terminée il y a 1 mois, je crois. Un mois et quelques. Et vous l'avez bien aimé apparemment. Donc bah, ça c'est cool. Je vais essayer d'en refaire sans doute par le futur. Et d'ailleurs, j'ai compris que pour les trucs délirants, les trucs comme ça par rapport au titre là, bataille de boule de neige, que j'avais mis, j'ai fait la miniature, j'avais galéré quand même à la faire. Enfin, j'avais galéré parce que j'étais juste avec mon téléphone en train de contrôler mon PC. En gros, c'est une application qui permet de faire ça, mais
Parce qu'en fait, j'étais pas chez moi à l'heure actuelle, j'étais en voyage à Londres. D'ailleurs, pour Londres, je pense, bon, sans doute que la vidéo sortira jamais. Par contre, pour Epic Cube, elle sortira peut-être à un moment. Sans doute, elle sortira sans doute. Mais la vidéo à Londres, peut-être sans doute qu'elle sortira jamais en fait. Donc voilà, donc j'ai compris qu'en fait, vous aimez bien l'univers décalé que je peux mettre dans les vidéos par exemple, comme The Missing Sandwich. Et du coup, en fait, ça me dit, ouais, ça me conforte dans l'idée que je peux apporter les mini-jeux, etc. Créer des mini-jeux comme je veux avec le serveur Ignity. Créer les jeux que je veux. Et les concepts en fait. Et que vous me suivrez sans doute. Donc, bon, c'est cool. À la limite, vous donnerez quand même vos avis sur ce que je proposerai. Et ce que je propose déjà. D'ailleurs, il y a le Star Defender qui n'est pas encore sorti. Il n'y a pas encore l'article qui est mis en ligne, du coup, vu que. Enfin, en vrai, il est sorti. On l'a mis en pause parce qu'il y a eu un petit problème de régénération de la map dès que le jeu se finit. Donc ça, on est en train de le régler, mais ça devrait bientôt être réglé. Vous en faites pas. J'ai aussi repris la présentation des mods, donc j'en avais pas fait pendant 3 semaines, je crois, ou un mois même. En fait, durant ces 3 mois, j'en ai fait que 3. Sachant qu'il y en a une le premier mois, il y en a une, je crois, bah, le début du deuxième mois, donc début février, et puis une autre fin mars. Donc, il y avait quand même un grand écart entre les deux. Donc, bon, ça, bon, j'ai pas d'explication pour dire pourquoi j'ai pas fait. J'aurais bien voulu en faire, mais c'est parce que je faisais des plannings de vidéos, donc 5-10 vidéos à l'avance. Et je l'avais pas inclus dedans, un truc du genre. Ou alors c'était peut-être trop long à record par rapport au temps que j'avais de temps en temps. Donc, au temps que j'avais pour record. Parce que pour le montage, j'ai plus de temps. Mais le record, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc, je les ai repris il n'y a pas longtemps, du coup, avec un mode carry-on. Donc, on pouvait porter les coffres. Et du coup, bah voilà, je me suis bien amusé là-dedans. La prochaine vidéo mode, du coup, va sortir vendredi prochain. Donc, vendredi 12, je crois, ouais. Vendredi 12 avril, qu'elle va sortir. Et du coup, bah voilà. Je vous spoil pas le sujet non plus, parce que c'est pas le but non plus. Donc, vendredi pour cette vidéo-là. Ensuite, on a eu l'ouverture du Creativity, la première vidéo dessus. Donc, l'ouverture, c'était le 27 février. Et j'ai fait une vidéo le 3 mars, donc en gros c'est le temps que vous fassiez des constructions dessus. Sinon j'avais pas grand chose à présenter et moi, pas non plus un grand builder et je bon je présentation de build, vous avez vu j'ai un peu décliné le truc parce que bon déjà ça prend beaucoup de temps à faire et puis build bon c'est pas non plus la chose qui me passionne le plus au monde mais je peux essayer quand même de m'améliorer, d'essayer de voir, c'était ça le but en fait de la série, de m'améliorer et essayer de voir pour. De toute façon, j'aime bien tout ce qui est créatif en fait. Donc le build en soi, je peux bien aimer. Après, le truc, c'est que je sais pas trop quoi imaginer, par exemple, comme. Comment en fait mettre en jeu ce que j'imagine. Voilà, ça là, c'est un peu compliqué pour le build. Pour le build, j'ai un peu du mal parce que j'ai un peu du mal à dessiner, même dans la vie réelle. C'est voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, en vrai, il faut passer le pas et du coup essayer d'y aller pour faire ça. Mais bon, j'ai pas non plus envie d'en faire un métier d'être dessinateur. Donc, je vais pas non plus passer un énorme pas. Mais je vais essayer de m'améliorer pour les constructions, etc. Pour pouvoir faire des belles constructions aussi. Et bon, j'ai dit dessinateur, mais en vrai, je dis dessinateur par rapport au fait de en fait, une maquette qu'on la réalise en construction. Donc là, sur Minecraft, en fait, on peut considérer ça comme du dessin 3D. C'est, voilà, tout simplement. Donc, les builds, c'est du dessin 3D. Et c'est pour ça que j'ai dit dessinateur. Du coup, il y a un mois quasiment. J'ai aussi fait la map The Missing Sandwich, donc j'ai déjà mis la miniature avant, c'est celle-là. Enfin, avant dans la vidéo. Et du coup, c'était une map délirante.
Je l'ai trouvé. Je me suis dit, mais c'est quoi cette merde? C'était un truc, mais le nom délirant. Même l'image qu'il y avait. Bon, j'ai fait ma propre image. Je cherchais un sandwich sur internet pour la miniature et tout. Donc je me suis. Bon, j'ai fait un effort de création là-dessus. Comme j'ai dû. Je crois que je l'ai dit au début de la vidéo. Et ben voilà, c'était cool. Donc après, on a eu. Non, avant, d'ailleurs. Avant, on avait eu une visite de map. Donc, c'était une visite de map où j'ai vraiment essayé de prendre un bon skin qui ressemble et en même temps de prendre les musiques. Donc, les musiques, j'ai réussi à en trouver libre de droit qui puissent être autorisées en fait. Bon, il y a juste un truc qui me surprend, c'est que normalement, les créateurs, ils sont censés demander un claim de la vidéo. Donc, ils sont censés découvrir que. Repérer qu'il y a les musiques à eux qui sont utilisées dans ma vidéo, mais ils l'ont toujours pas fait. Alors que sur la vidéo, je l'ai pris la musique, bah c'est fait depuis le début, donc je comprends pas, mais voilà. Parce que sachant qu'en plus, j'ai une autre vidéo, la vidéo du 1er avril, où là la musique a été déclarée en 2 jours à peine. En 2 jours à peine, il y a le créateur, bon, c'était pas manuellement, je crois, je suis pas sûr, mais qui a déjà revendiqué la musique, qui m'a dit, ouais, bon, alors on va prendre des revenus sur ta vidéo, qui déjà n'en génère pas du tout, mais bon, c'est pas grave, peut-être qu'ils peuvent réussir à en générer eux. Donc voilà, en gros, ils ont réussi en peu de temps, alors que The Missing 108, non. Donc c'est un peu bizarre. Donc on a la visite de map, donc c'est Le Seigneur des Anneaux, donc hop, cette vidéo. Dans cette vidéo, du coup, j'ai pu visiter la map. Bon, j'ai pas fait de replay mode non plus. Donc, replay mode qui permet de faire des cinématiques dans Minecraft. Enfin, genre, on peut faire. Il y a un joueur. On a un joueur. On a la caméra qui va regarder le joueur et qui peut tourner autour dans la vidéo. Et du coup, on peut avoir un rendu comme ça. Où elle tourne autour, où elle zoome par exemple, où elle dézoome. Des trucs du genre. Alors que moi, c'était vue première personne avec du coup voilà, le personnage qui se déplace et qui regarde devant comme ça. Voilà. Bon, je représente un peu mal avec les doigts, mais bon, c'est voilà. Dans l'idée, c'est ça. Après, on a eu Rogue Legacy. Donc Rogue Legacy, malheureusement, j'ai perdu toutes les sauvegardes au début. Enfin, moitié, genre épisode 8, je crois. J'ai perdu toutes les sauvegardes. J'avais recommencé épisode 11, un truc du genre. Un peu énervé, donc j'ai réussi à tout sauvegarder. J'espère que je vais pas avoir de nouvelles erreurs comme ça. J'ai eu du coup le boss Khidr, donc l'œil en fait, le premier boss que j'ai réussi à retrouver après cette perte. Donc après la deuxième, j'ai réussi à le retrouver. J'ai d'ailleurs découvert les quatre dimensions. Bon, je connais pas les noms, mais du coup, il y avait la dimension normale, un truc comme les enfers, le paradis peut-être. Et l'autre c'était un château bizarre. C'était pas le château normal, c'était un château laser peut-être, le paradis. Ouais, ça doit être le paradis et l'autre aucune idée du coup. En fait, ouais, il doit y avoir le monde château, le monde normal, donc c'est le truc plein en fait, et le monde enfer et le monde aether, donc le paradis, donc aether dans Minecraft quoi, mais. Le monde paradis, du coup, par rapport à la couleur du paysage, quoi. Du coup, bon, Rogue Legacy, je vais continuer. J'essaye une vidéo tous les 5 jours. Bon, j'ai eu un problème. À un moment, il y en a une fois où elle est apparue, genre 10 jours plus tard. Donc, c'était il y a à peine 10 jours, un truc du genre. Parce que, en fait, il voulait pas se lancer le jeu. Enfin, il se lançait. Mais en fait, Windows, il me disait qu'il y avait un virus. Et même en le désinstallant et le réinstallant. Donc j'ai dû attendre et puis vous faire la vidéo après. Mais bon, ça n'a pas causé non plus trop de soucis. Donc s'il y a des trucs comme ça qui arrivent à l'avenir, j'essaye de régler le truc. Là avec Rogue Legacy, c'était un peu compliqué du coup. Parce que je pouvais rien faire quasiment. Je pouvais juste attendre en fait. Parce que c'était l'action d'une mise à jour. Je pouvais attendre que ça règle ça. Et puis voilà, c'était ok. Donc ensuite on a les Event Erysium. Donc ça, bon comme je l'avais dit dans la première vidéo, le fait
leur création, leur outil de création, pour moi, je le trouve pas assez poussé pour que je puisse faire tout ce que j'ai envie. Bon, en vrai, il est poussé pour presque n'importe qui. Mais pour moi, il est pas assez poussé pour en plus faire les drops, les loot et tout. Parce que je joue surtout sur ça, en fait, pour créer les modes de jeu. Sinon, je peux pas créer de mode de jeu. Je suis obligé de faire des kits, tout simplement, pour un jeu qui existe déjà. Donc voilà, donc c'est un petit peu embêtant, sachant que les scénarios sont payants, enfin sont payants. Faut attendre d'avoir beaucoup de coins pour en avoir, ou faut attendre des gifts et des trucs comme ça. Bon, là j'en ai, je peux en rajouter, j'en ai plein. Mais du coup, bon, à voir les découvrir, mais de toute façon j'ai bientôt plus le host, donc ça sera plus de mon sort pour les scénarios. Mais j'ai mon pote The Bird, ou à qui je pourrais lui demander. Donc je crois qu'il a encore un ou deux mois son host Erizum, donc je pourrais lui demander d'en faire. D'ailleurs, bah, je vais en faire un bah, ce soir, justement, je vais en faire un. Donc si cette vidéo sort après l'event, désolé, mais du coup c'est ce soir 21h, il me semble, Jimmy. Voilà, un event Erizum LGUH et Meetup. Et le reste, j'essaie d'en faire. C'est un peu galère quand même, parce que je dois pas faire en semaine, parce qu'en semaine, il n'y a pas grand monde. Qu'on se le cache pas, en fait, j'ai essayé en semaine une fois le soir, on était deux. Donc c'est un peu compliqué. Après, du coup, en semaine, c'est pas trop possible, donc on est obligé de le faire le week-end ou alors le vendredi soir. Donc les jours avant les week-ends, généralement. Parce que sinon, on peut pas trop le faire. Et le mercredi, bon, je peux pas les faire. Donc on m'aurait dit, ouais, tu peux essayer le mercredi. Mais le mercredi, en fait, moi, c'est une journée normale, en fait. Mes cours, j'ai fini à 17h aussi. Donc je peux pas. Et du coup, c'est un peu galère en semaine de le placer. En semaine, en comptant les week-ends, du coup, là. C'est un peu compliqué de le placer. Voilà, c'est un peu galère de le placer tout le temps. Bon, j'ai répété plein de fois, mais c'est pas grave. Donc, pour l'avenir de la chaîne, donc déjà, il y a un unboxing qui va bientôt arriver. Donc, j'ai enfin réussi, reçu ma télécommande que j'attendais. Donc je vous la présenterai en unboxing. C'est bon, c'est pas une télécommande de dingue ou que ce soit. C'est une télécommande pour faire des montages avec un outil qui s'appelle Arduino. Et qui permettra de faire des trucs plutôt fun sur le PC. Par exemple, avec un bouton, je pourrais contrôler n'importe quoi sur mon jeu, par exemple. Je pourrais voir avec des mods ou des trucs comme ça pour contrôler des entités. Bon, ça, c'est vraiment dans un futur assez lointain pour contrôler les entités. On pourra commencer avec essayer de contrôler au moins ce qu'on dit dans le chat. Dire un truc dans le chat juste avec un bouton sur la télécommande. Ça pourrait être cool. Voilà. Donc on pourrait tester ça et du coup je pourrais faire des vidéos là-dessus. Et il n'y a pas de souci, je vous montrerai. Je diviserai en deux parties de la vidéo. Donc partie code où je montrerai le code qui sera après la partie où je le présente. Donc voilà, c'est fini. Plus me faire plaisir aussi, comme je l'ai dit. Et il y aura les vidéos Fortnite, bah, du coup j'en rajoute un petit peu. Donc voilà, il y aura aussi, bon non pas les tutos, mais les tutos, je vais essayer de créer une seconde chaîne, pas maintenant, mais je créerai une seconde chaîne pour faire des tutos et tout ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, mais je vais quand même faire des tutos gaming sur cette chaîne, quoi, quelques-uns. Ne vous en faites pas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Elle a été un petit peu longue, je crois. 18 minutes, un truc du genre. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Malgré que j'ai la voix cassée. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!